Aujourd'hui, 70% de l'alimentation produite sur notre planète provient de ce qu'on appelle l'agriculture paysanne. Ils sont pêcheurs, paysans, éleveurs, nomades, paysans sans terre, peuples indigènes ou ouvriers agricoles. Et grâce à eux, nous mangeons quotidiennement une nourriture durable et de qualité. On l'oppose généralement à ce qu'on appelle l'agriculture industrielle, qui produit bien sûr, mais uniquement pour générer du profit, de la rentabilité, avec pour conséquence un coût énorme pour la collectivité et l'environnement. Si de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'impact désastreux de cette agriculture, la réalité est que les politiques publiques favorisent le modèle agro-industriel au détriment du modèle agroécologique. En conséquence, les paysans sont systématiquement marginalisés et discriminés, et surtout, ils sont les premières victimes de la faim. Sur le milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, 80% vivent en milieu rural. Et les instruments dont nous disposons aujourd'hui ne nous permettent pas de les protéger. C'est pourquoi différents acteurs se sont mis autour de la table pour se doter d'une véritable déclaration des droits des paysans et paysannes et des autres personnes qui travaillent en milieu rural. D'un côté, le monde paysan, la société civile et la Via Campesina, le plus grand mouvement paysan international. Ils travaillent depuis 2001 à un projet de déclaration. De l'autre, les Nations Unies et donc nos États. Après la crise alimentaire de 2008, son Conseil des droits de l'homme charge le comité consultatif de lui faire des recommandations pour mieux protéger les droits de ceux qui travaillent en milieu rural. Le constat du comité est sans appel. Une protection spécifique est nécessaire. En s'inspirant fortement du contenu de la déclaration de la Via Campesina, il propose l'adoption d'une déclaration sur les droits des paysans et autres personnes travaillant en milieu rural. C'est cette déclaration qui est en négociation aujourd'hui. Los campesinos y las campesinas son las personas que alimentan nuestro mundo, que mantienen el medio ambiente funcionando bien y cada día en nuestro trabajo en FIAN observamos que son víctimas de violaciones, que son impactados por violaciones de sus derechos humanos, no solamente del derecho a la alimentación, pero también criminalizados de su derecho a la salud, de su derecho a un medio ambiente sano. Por ejemplo, un campesino sin tierra o un campesino sin semillas no es más un campesino. Y por esto necesitamos que esos derechos inherentes a los campesinos sean reconocidos a nivel internacional. Avec ce qu'on appelle le phénomène de la mondialisation, les paysans ont perdu tout contrôle sur le processus de, à la fois de production et de la commercialisation de leurs produits. Mais aussi, il y a des accaparements de terres maintenant, et monocultures, agrocarburants, etc., qui font que les paysans sont soumis à des grandes pressions et de gré ou de force, sont forcés à quitter les campagnes. Wir steuern mit der momentanen Agrarpolitik in die völlig falsche Richtung. Wir brauchen eine sozial gerechte Landwirtschaft. Wir brauchen sehr, sehr viele kleine Betriebe, die nachhaltig produzieren. Und das ist in der Ernährungssouveränität alles festgeschrieben. Und es geht wirklich darum, diese Forderungen heute, jetzt, sofort umzusetzen, um zu verhindern, dass noch größere ökologische und soziale Schäden entstehen. On a des problèmes de différents types, que ce soit d'abord un droit à la santé, à l'environnement sain, qui est souvent bafoué tant au nord qu'au sud avec l'exposition à des pesticides. Un autre sujet important, c'est les semences et le droit à développer et à faire circuler des semences qui soient adaptées et qu'on ait développé soi-même, hein, qui ne soient pas standardisées. Les cadres légaux existants, fort basés sur le schéma des variétés homogènes, ça ne fonctionne pas du tout pour nous. Et les semences dont on a besoin ne rentrent pas dans ces critères-là et sont un peu hors cadre légal. Ce qui fait que si on prend l'initiative soi-même de développer ces semences et de les faire circuler, de les échanger, on se met très vite dans l'illégalité. Un dernier problème qu'on vit tant au nord qu'au sud, c'est l'accès à la terre, même s'il est vécu de différentes façons. Ou chez nous, au nord, c'est le prix de vente des terres qui a explosé ces dernières années à cause de différents facteurs, que ce soit des pratiques d'exploitation des terres qui soient très intensives et peu durables, qui
permettent de dégager des gros profits à court terme. Ça a contribué à faire augmenter les prix, mais aussi le fait que pour beaucoup de financiers, la terre devient un placement sûr à long terme. Et donc des facteurs qui font que le prix des terres aujourd'hui est totalement déconnecté du revenu qu'on puisse en tirer. Y nosotros pensamos que tenemos que proteger al pequeño campesinado, tenemos que proteger esta producción de pequeña escala, diversificada, orientada al mercado local y necesitamos un marco de protección para nosotras, campesinas de Europa, para todas las campesinas y campesinos alrededor del mundo. Y en particular, yo soy una campesina, soy mujer y veo que muchas veces la pobreza tiene rostro de mujer campesina. Die Deklaration bringt diese ganzen Forderungen und diese ganzen Probleme unter einen Hut und setzt einfach ein starkes Zeichen dafür, dass wir uns solidarisieren, dass wir uns da bemühen, in unseren eigenen Ländern, auf unseren eigenen Märkten verantwortungsvolle Politiken umzusetzen und vertrauen darauf, dass diese Politiken sich im globalen Süden genauso positiv auswirken wie bei uns. La déclaration sera bien plus qu'un texte symbolique. Elle sera un outil concret pour stopper les violations vécues par les communautés rurales. Toutes les instances des Nations Unies devront s'y référer. Les États devront justifier comment ils appliquent et surtout, elle pourra inspirer des lois nationales et s'insérer dans les constitutions de chaque pays. Aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme a lancé un processus de négociation autour de ces déclarations et ce processus rencontre des résistances, notamment parce que un certain nombre de gouvernements se demandent s'il y a bien une identité paysanne suffisante qui justifie qu'on s'intéresse à eux. Ma réponse, c'est que la discrimination, les violations des droits de l'homme que les paysans, paysannes et les personnes travaillant dans les zones rurales subissent sont une réalité. Et je crois que par conséquent, il est important aujourd'hui de donner davantage de visibilité à cette question par cette déclaration qui serait un outil extrêmement important pour tous les mécanismes des droits de l'homme qui existent. En este momento estamos en un sitio, unas negociaciones en el que llevamos dos años de grupos de trabajo. Tenemos de alguna manera que abrir este proceso a que una mayor cantidad de la sociedad civil sepa de qué se trata. Necesitamos visibilizar. Esta declaración lo que hace es visibilizar. On peut dire qu'il y a trois catégories de gouvernements. Il y a des gouvernements qui soutiennent entièrement cette déclaration, il y a d'autres qui sont contre cette déclaration, il y a d'autres qui sont encore neutres, qui n'ont pas encore une vision claire. Il s'agit de voir avec ces gouvernements qui n'ont pas encore une vision claire de la déclaration, comment les expliquer, comment les convaincre pour qu'ils puissent avoir une idée claire, les informer de la situation, pour qu'ils aient une situation claire pour pouvoir être avec nous. L'autre combat, c'est avec les gouvernements qui sont contre aussi. On est en train de faire un travail avec la société civile de ces pays pour qu'ils puissent vraiment nous aider à mieux comprendre que c'est une loi qui n'est pas contre les autres, mais c'est une loi tout simplement pour renforcer la paysannerie afin d'atteindre la souveraineté alimentaire des peuples. Aujourd'hui, le monde paysan se meurt de manière silencieuse dans la plupart des cas. Mais s'ils disparaissent, on n'aura simplement plus de quoi avoir accès correctement à une nourriture et de pouvoir, nous, citoyens, avoir encore moyen d'agir et sur qui produit, de quelle manière, et donc d'avoir une possibilité d'action encore sur cette question-là. Et que, surtout, se den cuenta en Europe que nous ne sommes pas parlant d'une brecha norte-sur, mais que les problèmes que siempre se han asociado al sur global, Asia, África, América Latina, en cuanto a imposibilidad y a precariedad de campesinas y campesinos, también están en Europa. Cette déclaration, c'est une opportunité unique de pouvoir mettre sur papier et de pouvoir officialiser, de faire reconnaître par tout le monde ces multiples droits à l'autonomie, à la liberté d'initiative, à la liberté d'action des paysans. Si l'humanité a subsisté jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette débrouillardise et à cette capacité d'invention des agriculteurs. Les paysans, les paysannes sont les gardiens de la biodiversité, sont les gardiens des territoires ruraux, permettent de développer des alternatives à l'agriculture industrielle à grande échelle dont on connaît aujourd'hui les coûts considérables pour la collectivité et par conséquent ce combat des paysans, paysannes, des personnes travaillant dans les zones rurales pour la préservation de leur
de leur mode de vie et de leur capacité à continuer à produire est un combat qui, au fond, doit nous concerner tous. Et je crois que l'opinion publique est aujourd'hui de plus en plus mobilisée, les attentes des ONG comme des mouvements sociaux se font de plus en plus fortes et les gouvernements, à terme, vont devoir entendre cet appel. Ce qui est important de dire et de redire, c'est que nous, on ne s'oppose pas au commerce. Le commerce existe. Ce qu'on veut, c'est que d'abord le droit de se nourrir, nourrir sa famille, nourrir sa communauté, soit d'abord respecté. Et que ça, c'est un droit fondamental. Donc d'abord, on respecte l'alimentation, le droit à l'alimentation, ceux qui la produisent, et puis on commerce, normal.